your body. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial de la Saint-Valentin. Donc moi comme d'habitude, hein, 19e année, cul là-bas, c'est célibataire. Mais ça me laisse quand même une occasion pour faire un maquillage rose, paillettes, fossiles, dramatique, gloss, tout ce qu'on aime. Donc du coup c'est un demi-quart, trois quarts de queue de crise. Du coup, j'ai mis des paillettes sur ma paupière mobile, j'ai mis des fossiles vraiment dramatiques, ce que j'aime. Et par contre, j'ai gardé la bouche sans, j'ai mis juste un gloss. Et... Du coup, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, continuez à regarder la vidéo. Ok, donc on va commencer dans mon visage. J'ai déjà primé mes yeux avec un anti-cerne, donc c'est le Maybelline. Donc du coup, j'en ai mis partout. Et après, j'ai mis de la poudre de la banane pour fixer mon petit eyeshadow de chez SLA, donc c'est le numéro, il y aura écrit en barre d'infos, donc c'est celui-ci, c'est en rose, il est trop beau. Donc voilà, je le fais bien en couleur de transition, je le mets vraiment partout, parce qu'après on va venir couper ma paupière mobile. Après, je vais venir prendre ma Naked 3 et du coup, je vais prendre le Fern Honor. C'est lui, c'est un violet un peu plus foncé. Voilà. Là, j'ai ce que je veux. Et donc, du coup, là, on a fini. Je vais venir prendre mon... un autre anti-cerne. En fait c'est un correcteur, je vais venir prendre celui-ci. En fait là je vais venir couper ma paupière mobile pour faire un cœur de crise et après rajouter les paillettes par-dessus. Je vais prendre ma glitter glue de chez Too Faced. Et après du coup je vais l'appliquer là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Donc là, je laisse sécher. Je vais venir prendre la palette de chocolat shop de chez Too Faced, celle-ci. Et je vais prendre un marron pour venir intensifier tout l'extérieur de l'œil. Là, j'ai pris le fard Tutti. C'est un marron hyper foncé, hyper trop beau. Qui, je trouve, tire un peu sur les mauves. Après, je vais venir du coup mettre des faux cils. Du coup, cela c'est des faux cils que j'ai acheté tout simplement sur AliExpress à
amende de euros, sont, je les aime trop, sont vraiment dramatiques. Et c'est ce que je veux. Parce que c'est bien beau la Saint-Valentin, mais qui a dit que je voulais être naturelle? Personne. Donc je reviens juste après, hein. C'est beaucoup mieux parce que niveau fossé, je suis pas encore tout à fait prête, comme je le redis. Et donc voilà, on se retrouvera juste après. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux, j'ai mis les fossiles et j'aime trop comment est-ce que ça rend. Donc du coup là, je vais mettre mon mascara, lui c'est le Maybelline Great and Lash. Ouais, Great Lash. Et du coup là, j'ai mixé mes vrais cils aux fossiles. Donc maintenant nous allons prendre un petit crayon noir et nous allons faire la muqueuse de dessus parce que j'aime pas qu'on voit un peu de ma peau. Donc du coup pour mon teint je vais prendre le fond de teint Make Up For Ever, donc lui c'est le liquide comme ceci, et venir le mélanger avec le duo de Hoola de Benefit. J'aime tellement ce fond de teint. Il découvre juste ce qu'il faut. Avec une éponge. Pour retirer aussi les éventuelles traces de pinceau qu'il y a. Donc voilà. Après pour le concealer, je vais bien prendre ma palette de concealer de chez Catrice. Voilà. Avec en fait celle que j'ai utilisée pour mon Catrice. Du coup là je vais prendre la couleur la plus claire mélangée à la deuxième couleur. Je vais prendre celle-ci mélangée à celle-ci. Après quand même, tu viens prendre ma banana powder de chez Benaï. Et je viens... Non, je vais pas faire du baking là, je vais venir juste... Alors le nez, j'en mets souvent une tonne parce que c'est là où mon fond de teint ne tient pas toujours. Après, pour me faire du coton aigre, je vais juste reprendre mon bronzer de chez NYX. Donc c'est le tan allé. Non, c'est le allé. Je vais en mettre partout et après... J'aimerais toujours avoir un gros pinceau comme ça. Genre, vous voyez le gros qu'elle utilise, Nikki Tutorials? Bah moi, je le veux trop. Je veux trop un pinceau comme ça pour venir faire un peu de contouring. Parce que ça a l'air tellement simple quand elle le fait. Voilà. Ensuite, nous allons passer au blush. On va reprendre mon favori, mon bébé d'amour. Non! On va prendre un blush de chez Benefit. Donc, je l'ai eu dans un coffret. Donc, c'est le Sugar Bomb. Il est comme ça, il est trop beau. J'aime trop les blushs. Je trouve que, genre, ça donne vraiment bonne mine. Genre, je préfère sortir qu'avec du blush. Et doucement, c'est ce que je fais en plus. Qu'avec du bronzer. Après, on va passer à ma partie préférée.
avec ma palette de d'highlighter préférée, la Sleek. Donc du coup c'est la Eye Lust. Officiellement c'est une palette d'ombre à paupières, mais vous allez pas me dire que ça c'est d'ombre à paupières, c'est des ombres à paupières. Alors c'est vraiment des highlighters pour moi, parce que je pourrais pas mettre en fard à paupières. On va prendre lui, le plus foncé. Je l'ai jamais testé. Oh, il est rosé magnifique. Oh, il est trop beau. Genre, oh là là là, un highlighter rose. Mais ma vie. On va pas en mettre trop. Non, faut que ça se voit. C'est obligé que ça se voit. Oh putain, il va trop bien avec, moi, avec mes paillettes. Oh là 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 là, il est trop beau. Oh, j'aime trop. Du coup, là, par contre, je vais prendre le doré. Je vais prendre celui-ci. Pour mon petit nez. Je viens reprendre ce fard là qu'on a pris en premier. Donc c'est le fard de transition. Et je viens prendre voilà, celui-ci, le Toasty. J'ai pas de miroir, j'ai pas de miroir. Oh mais ils auraient tellement dû faire un miroir là, ça aurait été parfait. Genre le miroir, il aurait été hyper grand. Ça aurait été magnifique. Non, du coup, je vais mettre un gloss de chez Benefit, donc c'est les Sugar Bomb. Ah, bah c'est celui qui va avec le blush. Et voilà, je vais juste mettre du gloss. Et je finis toujours par appliquer du spray fixant de chez NYX. Et lui, c'est le matte finish et il est tellement bien. Oh, merci encore à Nikki Tutorials de me l'avoir fait découvrir. Et Aléa de me l'avoir offert à Noël. Il est trop bien. Il est trop bien. Voilà, c'est tout. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a... J'ai adoré de la filmer. Si vous décidez de recréer ce maquillage-là, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur mes réseaux sociaux. Ils seront à la fin et en barre d'infos, comme d'habitude. Tous les produits que j'ai utilisés avec les teintes seront aussi listés en barre d'infos. Donc du coup, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire. Mais du coup, si vous êtes en couple, je vous souhaite de passer une bonne soirée avec vous, avec votre chéri, eux à la fin. Voilà, je vous souhaite du bonheur, soyez heureux, vive l'amour, vive Manon. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Et on se fait un bisou.